Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce qui est la dernière vidéo de ma personne lorsque j'ai 21 ans. Aujourd'hui, on est le 9 décembre, demain j'ai 22 ans, donc au moment où vous voyez cette vidéo, c'est le jour de mon anniversaire. Et donc voilà, aujourd'hui, dernière vidéo en tant que personne de 21 ans, dernier vlog. Ça va, les émotions sont très hautes. C'est complètement faux, je m'en fiche. Bref, aujourd'hui, on va s'occuper des poneys et ensuite on va voir ma rêve qui m'emmène je ne sais pas où. Elle m'emmène quelque part, c'est une surprise. Je vais pas dormir chez moi, je vais dormir avec elle, je sais pas où. Je sais pas où, on va découvrir ça ensemble. Voilà, aujourd'hui donc la mission. Attendez, je monte dans la voiture. Voilà, là on est à l'abri. La mission, c'est aller chercher du foin pour les poneys. Pour la simple et bonne raison que j'ai un randballeur qui m'attend dans le hangar à côté de chez moi, mais il faut un tracteur pour l'emmener, sachant que la personne qui conduit le tracteur n'est pas disponible aujourd'hui, elle peut pas me ramener du foin, donc je vais aller me chercher un petit carré, enfin un petit ballot de foin que je peux mettre dans ma voiture et que je vais pouvoir emmener au poney pour qu'ils aient du foin jusqu'à demain matin, jusqu'à ce qu'on me ramène le randballeur dont j'ai besoin. Voilà. Et ensuite, on va s'occuper des poneys. Je sais qu'ils m'ont détruit des clôtures, donc j'aimerais bien pouvoir les réparer. Je sais même pas en fait si j'aurai vraiment le temps parce que j'ai pas mal de trucs à faire. Bon voilà, bref, on verra. Cette journée va suivre son cours. Je préfère pas vous dire ce que je vais faire parce que ça se trouve je vais rien faire de tout ce que j'ai dit. Mais en tout cas là, une chose est sûre, on part chercher du fouing. On a récupéré la cargaison, je répète, on a récupéré la cargaison et on rentre à la maison. Bravo la souplesse! T'es vraiment méchant hein, quand même. Là, on t'a tous vu. On t'a pris sur le fait accompli. Ouais. Pff, sale gosse. Il est super pas gentil avec toi, mon bébé. Il est méchant. Taking my hand, leading the way, staying the night. Looking at you, making your moves, there is no silence. I wish you'd never let go. Looking so sweet, but you're dynamite. I just wanna dance with you. Feeling that burn, I'm not getting out. Yeah. Baby, you make me lose my mind. Baby, you wanna stay the night. Time goes fast, I don't care. I've known you long enough. When we go, we lose track of time. You and I, we can stay inside. Time goes fast, I don't care. I've known you long enough. Bon, je suis en train de faire un état des lieux de ce qu'ont cassé les poneys pendant ces trois derniers jours où j'étais au salon du cheval. C'est ma soeur qui s'est occupée d'eux, elle m'a dit ouais ils ont pété les clôtures. Je lui ai dit enfin en gros genre juste tu enroules les fils pour pas qu'ils se prennent les pieds dedans et t'enlèves toutes les clôtures, enfin c'est pas grave. Donc en gros ils ont cassé toute la clôture qu'il y avait au bambou. Normalement en gros ici c'est l'endroit où il y a les crottins et donc c'est tout clôturé pour pas qu'ils aillent manger trop les bambous. Parce que Soleil c'est un énorme panda et il adore aller manger les bambous. Et donc dès qu'il y a le malheur de pas avoir d'électricité, bah voilà il y va. Donc c'est ce qu'il a fait, hein. Il a tout détruit pour aller grailler ses bambous. Donc voilà, on a enlevé toute la clôture et du coup va falloir tout réparer. Mais là, en fait, j'ai pas envie, j'ai la flemme. Donc c'est pas grave, ils auront encore accès au bambou cette nuit. Et je réparerai la clôture demain pour mon anniversaire. Voilà, joyeux anniversaire Léa. Je vais aller voir l'état de leur box. Oh là 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 là, on patauge. C'est
horrible. C'est vraiment la pire saison de l'année. Hein. Je déteste l'hiver. J'aime l'hiver que pour mon anniversaire et Noël. Oh là là! Mais est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal là? De. Enfin, où est mon pied? Oh, c'est immonde. Oh là là! Oh là là! Je m'enfonce sur 10 km. Ouh! Le box est propre! Parfait! Ok, bon bah voilà, le box, pas besoin de le nettoyer. Et bah nickel. Un petit saut de granulé chacun. Et puis on sera bon pour que j'aille prendre une douche et que je me prépare pour la surprise de ma rêve. Je leur fais un saut. Il y en a un, il a son détecteur activé. Oui, c'est pour manger, monsieur. Ça arrive. Tiens. Son Goku, non mais quand je vous dis qu'il respecte pas les clôtures, Son Goku, tu vas te faire mal, recule, recule, Son Goku, tu vas te blesser, ah tu m'énerves, non tu vas te blesser, sors de là, non mais n'importe quoi, j'en ai marre, et il commence à me pleuvoir dessus, alors je crois que c'est juste le signe qu'il faut que je rentre à la maison, me préparer pour ma surprise. Et il pleut alors qu'il fait beau, c'est bizarre. Enfin, en fait, en vrai, il y a un gros nuage au-dessus de ma tête. Hein. Voilà. Vous êtes plusieurs à vous inquiéter pour la disparition de quelqu'un qui était très importante pour moi. Je la maltraite un peu, beaucoup. Elle s'appelait Crinière de Lyon. Bref, ouais, voilà, hein, mes cheveux, je les lisse depuis un moment maintenant, depuis 2 mois, non, moi, je sais plus, en fait depuis que je les ai coupés, j'adore les lisser, genre vraiment, c'est un réflexe, et du coup je les lisse, et voilà, bref, ma crinière de lion existe toujours, mais en ce moment je l'ai mis un peu en stand-by, un petit peu en pause, et j'ai décidé de me lisser les cheveux. Je suis toute prête et j'attends ma rêve. Donc je sais toujours pas où elle m'emmène. Elle m'a juste dit d'emmener un maillot de bain. Donc j'ai préparé mon petit sac avec des affaires pour la nuit. Genre un pyjama quoi. Et un maillot de bain. Et voilà. Et elle vient de m'envoyer un message pour me dire qu'elle était là. Oh, mon téléphone il bug. Elle m'a dit là. Donc on y va, c'est parti, je mets mon manteau, on y va. Je suis trop contente. Oh là là, je sais pas ce qu'elle m'a prévu, ça va être trop bien. Allez, c'est parti. Elle est là, la taxi. On est arrivé. On attend à la réception. Y'a personne. Marie va être assise sur son trône. C'est très très stylé. Très très stylé. On cherche à manger. Mais vous nous connaissez, on va terminer au McDo. Est-ce que vous avez des potes comme Mareva qui vous invitent dans des endroits comme ça pour votre anniversaire? Regardez la salle de bain. Salut. C'est un délire. C'est un délire. C'est trop beau. Là, on va faire notre meilleur baignoire ce soir en mode Jerem Star. T'inquiète, on est là. Non mais, nos petits baignoires et tout. Oh non mais j'aime trop. Et là, c'est notre chambre. Là, il y a la marée vache. Ça, c'est notre lit pour ce soir. Notre nuit de noces. Oui, ça va, on sera même pas obligé de se toucher. Grave, on peut dormir chacune d'un côté, genre. Y'a pas de problème. C'est trop mignon. Bon, bah maintenant, on va aller grailler une pizza comme des grosses, hein. Une pizza, c'est chasser le naturel et revient au galop. On passe devant notre frère. Ce soir, on mange comme des adultes. Grave, ce soir, on n'y va pas. Putain, les gars, c'est incroyable ce que je pense. Bienvenue à Gien. C'est tout Mims. C'est tout Noël. En même temps, c'est le calendrier de l'Avent, c'est normal. Talin. Et nous, on se dirige là, vers le restaurant de sushi. Parce que je vais avoir 22 ans, il est temps de devenir une adulte. C'est fini les wraps chez McDo. Nous mangeons des sushis. Voilà. Paradis sushi. Oui. C'est incroyable. C'est incroyable. Meilleur repas de fin de 21 ans. On ne pouvait pas rêver mieux. On a des méduses. Ah, ça me dégoûte. C'est trop bon. Je
vous souhaite à tous d'avoir des meilleurs copains comme les miens. Là, on est avec ma rêve et on va chez Amandine et Pierrot. Parce qu'au final, ils habitaient là, ils habitent à côté de l'endroit où on a mangé des sushis. Du coup, on est chez eux. Je suis trop... Non ? Elle est dans la voiture. Oh, ouais. Oh Yagushi, va voir Tata les loups. Ah, je suis trop contente. Oh là là, Gouchi là-bas. Oh Gouchi. On t'entend en bas. Coucou. Arrête de pas ça. Coucou mon Pierrot, je sais que t'aimes être filmé. J'adore ça. Pierrot, on dit bonjour à la caméra. Gouchi. Oui, je blague mon anniversaire. Gouchi. Mon titi d'amour. La mascotte des vlogs de la mode, ça. On va appeler mon téléphone. C'est nouvel an. On va faire le décompte. Ouais. J'ai ton atome à 22 ans. Peut-être que je vais enfin grandir dans mon cerveau. Ouais, bah c'est pas ce soir. Je vais avoir 22 ans. Malade. Bon anniversaire, Lou. Du coup, pour l'occasion, je vous présente mon mec. Chouchou. Voilà, c'est mon mec depuis 2 mois maintenant. Les loups, t'es prête à t'ambiancer? Allez, ça part. Ça part. Regardez-la, cette grosse. Je trie. Elle fait sa réserve de cacahuètes. C'est pas des cacahuètes, c'est des pistaches. Des pistaches. Et lui, il essaye de m'afficher sur Instagram. J'arrive pas à te taguer, là. Il y a pas de A dans les poneys de les loups aussi. C'est un E. Mais regarde, je suis la première. Bon, écoutez les gars, on va profiter de cette soirée. Je vous retrouve demain pour ma première journée de 22 ans parce que bien évidemment, je vais la passer avec vous. Parce que vous êtes quand même le sang, la famille, le cœur. Merci déjà pour tous les messages que j'ai reçus. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain. Ciao. À demain.